Mesdames, Messieurs, la cérémonie débute. Vous allez assister à la commémoration du 76e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Pour les drapeaux, garde-vous! Attention pour les couleurs. Envoyez. Message de l'UFAC du 8 mai 2021. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire, qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les airs, unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française et l'Association de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France. Monsieur le maire de Clermont. J'ai tout d'abord à vous présenter les excuses de Olivier Pacaud et d'Edouard Courcial. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller régional, mesdames, messieurs les élus, messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs,
Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale s'achevait enfin, officiellement, avec la signature à Berlin de l'acte solennel de capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. 6 ans d'atrocités, de terreur, de souffrance, de morts innombrables connaissaient enfin sa conclusion. Cette guerre a fait des ravages sur les populations du globe, plus de 60 millions de morts. Et aujourd'hui, 76 ans après la fin de ce conflit, le traumatisme reste bien présent. Les conséquences géopolitiques sont énormes. Fin des empires allemands, italiens et japonais, décolonisation progressive chez les Français et les Britanniques, création de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'émergence des 2 grands vainqueurs de la guerre, les États-Unis et l'URSS, qui deviendront les 2 superpuissances mondiales dans une bipolarisation qui mènera à la guerre froide. Cette histoire peut nous sembler à la fois lointaine et encore très prégnante. La plupart de nos concitoyens n'ont pas connu les affres de la Seconde Guerre mondiale, mais elle s'est imposée aujourd'hui comme une grille de lecture pour jauger le monde actuel. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer disait « L'histoire est au peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui perd sa conscience. » Car l'histoire, ce n'est pas simplement des pages dans un livre, ce n'est pas qu'une succession de dates et d'événements. L'histoire est incarnée à la fois par ses grandes figures, mais aussi et surtout par ses héros du quotidien. Ceux qui n'ont pas baissé la tête, ceux qui se sont battus pour leur pays et sa liberté. Le monument aux morts qui se trouve à côté de moi nous rappelle leur nom, et c'est avec humilité que nous nous tenons devant eux pour leur rendre hommage. L'histoire, ce n'est pas seulement ce qui fut, mais ce qui pourrait arriver si nous laissons choir notre vigilance. Entretenir la flamme de la mémoire est essentiel afin d'avoir un impact sur le présent qui demeure extrêmement complexe et tendu. Il est alors certes plus aisé de reporter la responsabilité de la paix sur les autres. Pourtant, en ce qui me concerne, j'ai toujours insisté sur l'importance des responsabilités individuelles afin de préserver la concorde qui doit être notre objectif commun. Ce ne sont pas les grades ou les titres qui font les hommes, mais leur volonté de s'engager et d'agir. Nos héros de la Seconde Guerre mondiale nous auront au moins appris cela. Alors oui, ce 76e anniversaire de la journée du 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'histoire, si tant est qu'elle puisse avoir un début, n'a jamais de fin. L'histoire, c'est nous qui l'écrivons au fur et à mesure du temps qui passe, chacun à son échelle. Ne laissons jamais aux autres la responsabilité de choisir notre futur à notre place. Sachons défendre nos convictions et nous battre pour elles. Je profite de cette cérémonie pour honorer la mémoire des enfants de Clermont qui sont tombés pour la France et sa liberté, pour nous rappeler que la paix n'est jamais un acquis, mais une lutte de chaque instant. Nos valeurs communes de liberté, d'égalité et de fraternité méritent bien cet effort. Je souhaite conclure en citant Pierre Brossolette, héros de la résistance française. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Mesdames, Messieurs, vive la paix, vive la liberté, vive la République, vive Clermont et vive la France. Monsieur le sous-préfet. Message de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée des mémoires et des anciens combattants. 8 mai 1945, par deux fois l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie, enfin. Après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérances et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent.
Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat a pris de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus de l'espérance montait tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriant, au camp de Souges, au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix, pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Monsieur le maire, une fois n'est pas coutume, je souhaiterais vous indiquer que le choix de Pierre Brossolette, le choix de le citer, était pertinent. Quand j'étais à l'ENA, j'avais tenté en vain de donner à ma promotion son nom. Pierre Brossolette était un exemple pour la France, pour l'humanité, de dévouement face à la barbarie et l'abjection. Merci de l'avoir cité. La flamme. Pour les anciens combattants. Région de Hauts-de-France.
Monsieur le député. Pour monsieur le sénateur. Monsieur le maire de Clermont. Monsieur le sous-préfet. Thomas. Les honneurs ont été rendus. Hommage de porte-drapeau.
Bravo. Présentez-vous devant le monument. Saluez. Merci. Regagnez vos emplacements pour les remerciements. Prenez le drapeau. Repos. Remerciements au porte-drapeau. Aujourd'hui, merci beaucoup. Merci d'être là, merci comme d'habitude. Merci de votre présence. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Je vous remercie de votre présence.